Messieurs and gentlemen, boys and girls, mesdames, messieurs, bonjour ou bonsoir, c'est comme vous voulez. Aujourd'hui, on se retrouve sur le Let's Play 29 d'Uncharted 4. Toujours à Libertalia, toujours avec Sam. Rien ne change. Tout continue. Et Sam a trouvé la route. D'abord, où il n'y a rien. Par ici, peut-être on va tourner. D'accord. On peut continuer. Let's play 29, donc. C'est parti. T'as la chute quand même. Pas mal. Allez, on y va. Les messieurs, là, ils sont bien au chaud. Ah, je récupérerai bien celle-là plutôt que la mitraillette. J'arrive, frangin, j'arrive. Ça, c'était le gros là. Ok. Allez, monte, mon frère. Ok. À toi. Non, j'ai pas envie. Non, je rigole. T'as qu'on va te la décoller. Merci. Waouh. On pourrait presque faire une photo. D'ailleurs, on va essayer. Je vais essayer de faire une photo comme ça. Ici, là. Donc, option. Mode photo. L1, L1. Désactiver, activer. On va appuyer sur les deux joysticks, donc. Donc là, si je fais ça. Tac, tac. C'était le mode photo. Attention, c'est très haut. Ouais, je vois. Sympa tous ces recoins, tout ça. Merci des. Ok. Oh. Attention à la première marche. C'est délicat. Ouais. Regardez quand même sur quoi il se tient. Malade. What? Où est-ce qu'il est parti? Ah, ok. L'échelle est cassée au milieu. On va faire avec. Continue de monter. C'est par là aussi. Alors, tu t'en sors? Il y a une sacrée vue! Ok, je peux continuer par là. Ok, j'ai fait de la merde. On y retourne. Ah ouais, pas con. C'est par là. Ah, il y a plusieurs manières d'y aller. Je fais ça.
trouver l'accès par là. Pourquoi pas par là? On peut pas sauter par là. Okay. Non, rien. Non, vas-y, continue, Nate. Non, remonter là. On peut monter là. Et là. Ok, le frangin, il est là. Limite, je dirais deux. On peut pas. Ok, par là, là. Mm-hmm. Peut-être comme ça, un peu bête. Là, on fait le tour. Voilà. Regardez quand même. Regardez-moi ça, cette vue. Encore un effort, Sam. Ok, il nous attendait quoi. Il a pas du tout pris la même route que moi, mais c'est pas grave. Ok, moins de crapin. Ah, oh putain. T'en viens quand même là-bas tout en haut quoi. Là, ça sent la saucisse. C'est parti. Allez mon frère. Je t'ai vu. Comment ça va, grand frère? T'arrives à suivre ou quoi? Eh, hey, oh, on dirait que t'as oublié qui t'a appris à faire ça. Espèce de petit con. Espèce de petit con qui... Ça brasse. Alors, c'est pas si on y est, en fait, sanctuaire. On y est, et là, on aurait... Alors, je vais... Je descends. La classe quand même, punaise. C'est super grand quoi. Qui est-ce qui a construit ça, bordel de merde? C'est ça qu'il faut se dire. Et maintenant, fais-moi confiance et suis-moi, d'accord? Le grappin. Allez, on traverse. Allez, dingue, allez! Attends, frangin, juste derrière toi. Fermé. Le petit bureau avec le petit trésor dessus. De fou. Oh, le cochon. Grand Vera de bronze. On en a raté plein sur la route, en tout cas, depuis tout à l'heure. Ça c'était sûr, surtout dans la phase justement où on explorait pas mal, on en a trouvé que un, et après plus rien. Il n'y avait rien là-haut. Non. On y va. Le grappin, il est là. Merde. Yeah.
chose comme ça. Allez, frangin. Yo. Oh, le coquet les yeux en lui, ce con. Ok, une échelle, non. C'est juste ça. On peut pas aller par là. Oh merde. Bien, je vais passer par là. Ça c'est con. On a vu, on n'a pas le choix. On peut remonter, non? La gamelle qui prend. Non, juste pour le fun, on va se refaire la gamelle, regardez bien. Et là, bon. Ah c'est bon, j'arrête. Oh les lémuriens. Regardez, regardez. Juste là. Les gars, détale, détale. En chasse. Attends. On doit être arrivé dans le quartier chic. Mais c'est pas résidentiel pour autant. Qu'est-ce que t'en penses? Bâtiment administratif? Probablement. Peut-être que Libertalia avait un hôtel de ville. Ouais, peut-être. Et peut-être même qu'il payait des impôts. Qui sait? J'en sais rien, mais bon. C'est juste incroyable quoi. C'est un lieu de fou quoi. Que la nature a bien repris ses droits. Ça y a rien à dire. Je dirais qu'il faut passer là-dessous. Mais je serais curieux. Voir ce que le centre me très étrange comme lieu. De toute façon par là on peut pas passer on dirait. Ah si on peut visiter même s'il n'y a plus rien à visiter. Ce lieu est plein de mystères. Ça, y a rien à dire. De l'autre côté, on dirait que c'est pareil. Encore la demoiselle à la fontaine. Ici, là, on a quelque chose. Nord-est, sud-ouest, ok. Et ici, là, le petit trésor encore. C'est le bureau. Que des vases, que des machins. Vases solides. Ouais. On dirait qu'il est pas vieux. En tout cas, la couleur est juste magnifique. Il a gardé toute sa splendeur. La classe. Je crois que ça allait faire vachement haut pour lui, mais c'est bon. Allez, on peut donc repasser là-dessous. Après avoir récupéré ce trésor. Là, ça fait vraiment les films d'aventure et tout. Trop stylé. C'est trop haut, quoi. Oh les canons. Ouh là ça rigole plus. Ouh le champ de bataille. On peut passer par là. Si. Ah non, il est dans le buisson. Ça pique Knight, hein. Là ça rappelle un petit peu une Uncharted. Uncharted 1. En tout cas c'est super beau quoi. Il y a une bataille ou quoi? Putain de merde. Ils étaient donc là, nos fameux cons disparus. Certains d'entre eux, du moins. Putain. Des canons, des barricades de fortune.
qui a bien pu se passer? Sûrement un genre de bataille. C'était pas vraiment une question. La vraie question, c'est qui se battait contre qui et pourquoi? Ouais. Le bataillon de... Ouais. On va essayer de faire tout le tour de tout ça. Que ça fait un petit moment qu'ils sont là. Ça c'est sûr. Je pense qu'ils ont pas mis cette map là. Par cause de spoil en fait dans le multijoueur. Dommage parce que c'est vrai qu'elle est super stylée. Après il y a une phase dans, justement avec des bateaux pirates tout ça dans le multijoueur, mais bon, on n'a pas trop été dans le centre, on va y retourner. Il n'y avait rien par là de toute façon, pas trop quand même. Allez, on va voir ça dans le centre. Encore ces fameuses libellules. Seul couloir de fou quoi. C'est juste superbe. Vous verriez ma tête en fait, j'ai la bouche grande ouverte. Tellement que c'est beau. Oh le petit trésor. Ça fait plaisir. Ouh ça c'est beau. Une théière mongole. La classe. Faut pas la casser, Nate. Avec toutes tes acrobaties, je sais pas comment tu fais, mais... Lol. Ok. L'un des trésors à trouver de ce lieu mystérieux. Et magnifique. Alors, on va retourner un petit peu dans le centre. Rien de plus. Rien de plus dans tout ce oui. Apparemment non. Ils sont tous pris des lances dans le dos quoi. Comme des traîtres. Et l'accès pour arriver dans le centre. Exactement ce que j'allais dire. Waouh, impressionnant. Hello to you, les trois bibus. Salut. Non, le gars est en train de dire ça de... de statue en pierre, quoi. Rien ne va plus, Jérémy, rien ne va plus. Salut, les filles. Super classe. On a un levier. Rien d'autre. Allez Sam, open the door. Et le manche est cassé. MDR, ça marche encore. Donne un coup de
main. Ça, ça ouais. Me fait bluffer par contre. La porte est éteinte. Oh, il manque la tête de Sir Drake. Évidemment. Tu crois que c'est Rafe? Non. Ça fait des siècles que personne n'a mis les pieds ici. Ok. Bon. On cherche des indices? Ouais, on cherche des indices. On est déjà au chapitre 15, les voleurs de l'Hypertalia. Les chapitres avancent beaucoup plus vite maintenant, on dirait. Nada. Nada. On va explorer un petit peu tout ça, style The Last of Us. À fouiller les tiroirs. Encore ce signe de pirate. Voleur. C'est donc ça que c'était marqué lors des précédents let's play. Sur un côté d'un gars, c'était marqué voleur en fait. D'accord. Certains ont volé à d'autres, on dirait. Où est-ce que ça a disparu? Faire le tour de ce truc là. Encore là. C'est quoi ça? Une lettre. Vieux manifeste. Plein de trésors. Manifeste du destin. Destination de libertariat. Attendez pour le. Pièce d'argent. Donc voilà. Ok. Statue d'or. Cavalier sa monture. Ok, c'est intéressant. Continuons. Ici. J'ai trouvé quelque chose. Incroyable que cette lettre soit encore intacte. Mater Alvast. On a retrouvé un couteau, mais c'était pas celui-là. Éléphant en perles. Et une image de vase en jade. Des trésors inestimables. Capitaine Avery. Ah, voilà la tête. T'as sûrement été en meilleure forme. Attends, par là. Attends. Ça veut dire qu'on a tout trouvé, mais attends. Rien. Rien. Ouf. Ah, des vêtements sophistiqués. D'uniforme. T'étais un garde ici, non? Beau travail. Avec l'emblème d'Avery. Rien du tout. Nathan, regarde ça. T'as quelque chose? J'ai trouvé une pièce. Oh, t'as vu, c'est le son d'Avery. Il a dû faire fondre l'or,
et frapper sa propre monnaie. On a donc une pièce et des étagères pleines de manifestes. Le trésor était là. Ouais. Mais ça nous dit toujours pas où il est maintenant. C'est sûr. Ok. Alors on sait que dehors ça s'est bagarré sec. Et à l'intérieur aussi. Tu penses que les colons l'ont volé ? Non. Je crois qu'ils voulaient récupérer ce qui leur appartenait. Regarde. Là, c'est Avery, Hugh et tous les fondateurs. Tous sont désignés comme voleurs. Pas assassins, pas tyrans. Voleurs. Alors quand les colons ont fini par débarquer là, le trésor était déjà loin. Tout juste, parce que ces gars-là s'en étaient déjà emparés. C'était loin d'être des enfants de cœur. C'était loin d'être des enfants de cœur. Mmh. Je sais où ils l'ont emmené. Quoi ? Où ? Oh putain, c'est une carte. Ouais, juste là. C'est notre trésor. C'est une carte de Libertalia ? Et si tu la suis jusqu'à l'autre côté de l'île, juste là. New Devon. Attends, Avery était du Devon en Angleterre. Exactement. Est-ce que t'as vu la taille de ces baraques ? C'est impressionnant. Et chacune d'entre elles porte son propre sceau. Oui, parce que c'est là qu'il vivait. En Angleterre. La prochaine étape, c'est de grimper en haut de cette tour. Qu'on sache où on est. New Devon, nous voilà. On retourne en Angleterre, quoi. Vous êtes sérieux? Côté de la maison, quoi. Bon, comment on monte là-haut? Avec le grappin. Non, avec cette chaîne. Là. Attends. Alors, ça m'a une idée. Il est où, Sam ? Parce que moi, je monte là. Hein. Alors. T'es où, frangin ? Frangin ? Allô ? Qu'est-ce qu'il est, ce con ? Frangin ? Allô, Sam ? Ah, il est là. Ok, t'es prêt? On pousse. Oh, ça c'est un, deux, non. Soulevez le chandelier. Oui. Ah ouais, je vais monter dessus, mais il faut le lever. Hein. Merci. Ah ben voilà. C'est déjà beaucoup plus la classe. On monte là-haut. Il faut bien monter là, mais que maintenant. Et avec le grappin, comme j'avais dit. Et à mon avis, où est-ce qu'il est le deuxième ? Il n'y avait pas un deuxième ? Quelle force ! Ah oui, la deuxième chaîne qui est en face, je la voyais pas. On peut balancer jusqu'à l'autre chaîne. On va essayer, ouais. Attends, je monte un peu, je suis trop bas. Oh, bien joué, Tarzan. Ça, c'était sûr qu'il allait m'appeler Tarzan. Oh, pardon, commandant. Baldridge. Quoi ? Il marche sur Baldridge, là. Oh, et alors ? Et toi, c'est Bonnie. Désolé. Désolé. Qui n'ont pas tardé à se quitter.
essayer de retrouver notre route un petit peu. Peut-être pas descendre là tout de suite. On va prendre de la hauteur comme ils avaient dit. Et on va se quitter sur une très belle vue, je pense. Waouh! On était là-bas, nani nana, on s'est retrouvé là, on se retrouve encore à l'extérieur. Regardez-moi cette vue de malade. Impressionnante. Waouh, là d'accord. Comme ça. Alors, c'en est fini déjà pour le Let's Play 29. Une demi-heure comme chaque fois. Superbe vue. L'une des meilleures d'ailleurs, je trouve, pour finir un Let's Play. Il n'y a pas photo. Donc n'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, la partager si vous trouvez qu'elle mérite d'être vue par le plus grand nombre de personnes. Et vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, salut à tous, on se retrouve pour le Let's Play 30. Salut, salut.